Allez, pour cette huitième journée, un peu de volume, un peu de danse. Vous avez que deux mouvements, mais avec un volume qui va descendre de 20 à 0, de 2 en 2. D'abord les mouvements. Ici, les pieds à peu près largeur épaule ou un tout petit peu plus large que les épaules sont une position neutre. Ça veut dire que mon bassin n'est ni en entier ni en rétroversion. J'essaye d'être le plus droit possible. Et en revanche, je vais m'amuser à déplacer le poids de mes hanches de gauche à droite. Ici, si je vais dans la direction gauche, je vais shifter mon poids à droite et venir jusqu'ici, quasiment à la parallèle du sol. Je reviens, je change de côté. Essayez de bien initier le mouvement avec, en poussant vraiment le bassin à l'extérieur. Pas de déplacement frontal, tout sur les côtés. Donc un total de 20 répétitions ici. Je vais faire les 20 avec vous avant de passer à l'exercice 2. 1. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 18, 19 et 20. Le deuxième exercice va être un mouvement de danse encore une fois. Je vais venir placer mes mains au sol, si on voit bien, et donc placer la fesse du côté du même bras. D'accord? Je vais poser main gauche, mes fesses gauche au sol, jambes tendues. Je vais revenir au centre, changer de jambe et placer la fesse droite. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 16, 17, 18, 19, et 20. J'ai donc fait le premier round, j'ai demandé d'aller jusqu'à 0, et vu qu'on est sur un chiffre pair avec deux côtés, on va descendre de 2 en 2. Donc le deuxième round, ça va être 18 reps de chaque, le troisième round, 16 reps de chaque, 14, 12 et enfin 10. C'est bon? Allez, bonne séance!